Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, on va présenter dans notre chaîne scolaire de l'école Chahid Mohamed Zabtoli un thème qu'on utilise tout le temps. C'est l'Internet. Pour discuter ce thème, nous avons avec nous les invités suivants. Mademoiselle Fatima Azour, chercheure en informatique. Monsieur Mohamed Routis, membre de l'association Khoubara El-Hassou. Monsieur Youssef Chir, technicien spécialisé en développement informatique. Monsieur Parabil Alia, ingénieur en réseau informatique. Monsieur Ali Mouni, membre de chaîne scolaire Chahid Mohamed Zabtoli. Maintenant, mademoiselle Fatima Azour, c'est quoi l'Internet? Vous voyez comment elle fait une étoile de lumière? Eh bien, imaginez que le fait de la toile soit égal et que chaque bout de la toile soit un ordinateur. On dit aussi la toile pour parler d'un thème. Monsieur Lucis, vous, membre d'association Khoubara El-Hassou, comment les ordinateurs sont-ils connectés à l'Internet? Le modèle qui nous permet de nous connecter d'un côté doit être relié à l'ordinateur de l'autre. Il est relié au câble et il faut aussi attribuer un numéro IP à l'ordinateur. IP, c'est l'abréviation d'Internet Protocol. C'est un peu comme un numéro de téléphone pour que notre ordinateur communique avec les autres. Monsieur Lucie, c'est quoi le débit d'Internet? Le débit d'une ligne de communication, c'est la quantité d'informatique que tu peux passer pendant une seconde. Plus le débit est élevé, plus la quantité d'images, des textes et de la musique qui passe sur la ligne est grande. Donc, tu pourras télécharger plus vite. Monsieur Pablo, qu'est-ce qu'un site Internet? Un site Internet est tout simplement un ensemble de documents informatiques. Des textes, des photos, des images, des films encore de son. Tous ces documents se trouvent dans un grand ordinateur. Il y en a fait un logiciel dont le travail est de fournir les documents demandés par les internautes. Monsieur Ali Mourdi, c'est quoi les internautes? C'est le nom qu'on donne aux utilisateurs d'Internet, ceux qui visitent les sites d'Internet. Et aussi, c'est quoi Google? Google est un moteur de recherche, un site internet spécial qui peut te donner la liste de tous les sites qui parlent d'un sujet donné. Merci. À la fin de cette émission, je remercie mes amis.